Comme niveau. Voilà, mais ça va pas le faire du tout. Il faut absolument que. Voilà, moi je veux pas me cacher, je continuerai dans mon coin en hiver prochain, mais là, t'es pas encore à là où j'en suis. Moi, pour te dire, si t'arrives au kidnapping de. Pardon, je te dis vulgache, hein. Si t'en arrives au kidnapping de Scorpio, la belle Miss, là, il faudra s'arrêter parce que j'en suis à son kidnapping dans ma partie. Mais il y a encore pas mal à faire. Il y a encore pas mal à faire là où t'en es. Il y a une grosse, grosse mission. C'est pas ce soir que t'arriveras à me rejoindre dans la carrière. J'y crois pas du tout. Ce qui est pas plus mal. Donc je te laisse lancer ton deadline de ton côté. Moi, ça m'empêche pas de me lancer de mon côté non plus. C'est juste qu'il faudrait que je te rejoigne après quand tu m'auras invité. La tour. Sinon, joue les mauvais tours. La toutoule qui joue des mauvais tours. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mignon. J'ai le soutien des copains, donc Torota, Christella et Adjet qui sont restés connectés à mon canal. Mais je sais très bien qu'ils ne me regardent pas, puisqu'ils sont tous en train de débattre du catch chez Bastos. Ouais, enfin le catch, ils ont deux parties là-bas, le catch. Ils ont d'abord commencé par un débat contre PC. Waouh! Non mais c'est Sur dingue. le futur PC de Bastos. Ciao! Et après ils sont partis sur du catch. C'est très très bien, ils ont bien raison. Donc là j'ai un menu, si je choisissais comment vous voulez jouer, donc j'ai activé les invasions ou désactivé les invasions. Non, désactive les invasions et tu choisis de jouer à une main. One Armed Daylight, tu connais? C'est très dur. Surtout les parcours, hein. Une main c'est. Oula! Tu te raccroches aux bordures de balcon avec les dents. Je viens de te faire une invite là, non? Moi je vais surtout me mettre en plein écran parce que là c'est la dégueulasserie mon écran à moi. Ah oui! C'est beaucoup mieux. La 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 la. Jouer. Jouer la campagne mais avec toi normalement. Attends, est-ce que je peux m'inviter? Pardon. Est-ce que je peux m'inviter chez toi? Daylight, invité à regarder. Non, je jouais avec toi. Ah non, t'es sur Epic. Ouais, oui, Comment on avait fait ça? Attends, la mémoire me revient. Je crois qu'il faut faire jouer la campagne et dire rejoindre un copain sur Epic. Non. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. là, je veux ton compte Epic, mais pas ton compte Steam pour l'instant. Pourtant, je suis bien déclaré en ligne. Non, mais pas que des. Ça Voilà. se On a passe. fait comment la dernière fois? On avait un peu galéré un petit peu. Pas tant que ça, parce qu'il y a une Moins logique. que la première fois, c'est sûr. Et la deuxième, était moins que. Ah, désolé, hein, je l'ai gratos sur Epic. Hein, donc. Non, mais il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Cuisine Cargo, la Horde de Borat, j'avais aussi. Ah, d'accord. Petit coup. Je crois que j'avais pas tout le contenu additionnel du premier Dying Light, mais finalement il finit par me dire que je l'ai. Ah bah c'est cool, je suis content. Mais c'est plus ce qu'il a. Oui, non, je sais plus, je suis largué, il faut que je regarde. Mais bon, bref, pardon. Non, je crois que c'est à toi de faire la démarche dans l'interface Ah bon? Steam. Oui. Tu dois cliquer sur mon profil et dire invité. Bah ouais, mais j'ai un profil épique et j'ai déjà fait inviter la partie. Bizarre ça.
Non, je te fais inviter à regarder, c'est pas ça. Oh, je connais le petit. Ah. Attends, pourquoi je vois certains profils et pas d'autres? C'est quoi ce délire? T'as lancé ton épique ou quoi? Normalement, il est en arrière-plan, ouais. Attends, je vais regarder. Oui, il est là, mon épique. Attends, je vais le remettre plus en. D'ailleurs, on est. Je te reconnais bien là. Donc, un shoot d'un map très nerveux. Oh. Oui. Comment j'avais fait, bordel? Ah, option en ligne. Non, ami uniquement, oui, bah oui. Ah, Crotoum! Attends, si tu en fais une demande sur Epic, on sait jamais. Oui, oui, essaye. Il veut pas. Merde. Surtout que y a une interface qui me manque. À moi, je voyais les copains connectés dans le jeu et je les vois plus. Pourquoi? C'est dans Sim, ça. Non, mais je suis pas d'accord. Je suis censé les voir. Je vois pas pourquoi ils me les assoustraient. Je fouille les forums. J'ai donné toute une solution. Bah, je parce qu'on y était parvenu, pourquoi on n'y arrive plus maintenant? Alors, il y a certaines personnes qui parlent de touche F. Ah bon? Non, là c'est ma carrière que je lance, ça va pas. La touche F. Je sais pas où, je sais pas quel endroit. Oui, c'est le coup de Scorpio qui se fait kidnapper. Non, là, je vais faire face au mur ensanglanté. Ah non, je suis nul dans la raid. Alors, c'est écrit, quand tu lances Dying Light sur Steam, tu dois... should be able, je sais pas ce que ça veut dire ça. Je crois que c'est activer la touche F pour connecter à ton compte Epic. Et après, tu peux voir les amis. Dans le menu principal? A priori, ouais, je sais pas trop où. Bah, il se passe rien. Ou peut-être dans la partie jouer, quand tu fais jouer, et puis peut-être avoir ton menu avant de lancer ta partie. Oui, mais alors c'est à toi de le faire, puisque c'est toi qui héberge, donc lance d'abord ta carrière où t'en es, et fais la minute de ton côté. Ah, je suis dedans pourtant. Et il se passe quoi? Je sais pas, attends. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Là, j'ai mis ami uniquement, pourtant, c'est ça, hein. Ça, c'est mes jeux. Attends, je vais retourner dans mon Epic en plein écran. Pardon, hein, pour ceux qui regardent, c'est un déluge de patience d'écran et de chenoufilignaki. Je suis désolé, là, j'essaye de gérer le truc, mais je deviens fou. Pourquoi c'était plus instinctif avant? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ce... Alors j'ai un truc qui dit... ainsi, une fois en pleine partie, vous faites pause, puis touche X. Mmh. Marche pas. Manette X. Attendez, je vais regarder un truc. Pour connecter le jeu à Epic Games. Vous devriez avoir les amis dans la colonne de droite. Ça a été
Ah, mais il faut faire, faut peut-être pas le faire à chaque fois quand même, ce que là, j'espère pas. Non, j'espère pas non plus, mais. Attends, je recharge mon épique. Là, je force la main. J'ai quitté le jeu pour gérer complètement Epic Games d'abord. Qui ne répond pas non plus. D'ailleurs, il est dans les choux, c'est génial. Donc, c'est pas prêt de fonctionner. Oh le bordel. Alors, tu une scène sous Dying Light. D'accord. Oui, tiens, je vais rediquer tes jeux gratuits pour qu'on y est. Signy, Hogan Blazing. Ouf, Apex, j'aime pas. DNF Duel. Bon, Apex, c'est des trucs de plus. Hein. Ouais, bah, je vais faire mon village, j'en profite. Ensuite, qui se demande, hein, j'aimerais qu'elle vienne dans les deux. Oh, c'est un jeu de baston. Ouais. Je sais pas. Wow. Mickey. Ouais, mais guide est bizarre. On est bien d'accord, je suis en ligne. Attends, quand je fais contact, voir les clac-clac. Est-ce que je te vois? Ouais. Alors déjà, étape 1, il faut être ami sur Steam et Epic ensemble déjà. Ça c'est bon? Oui, bien sûr. Heureusement. Super. Étape 2. Blablabla. Il faut avoir débloqué le multijoueur, bon, ça c'est bon. Oui. Étape 3, alors. C'est pas comme si on l'avait déjà fait en fait, c'est ça qui est terrible. Non, il me retient pas. On est trop vieux. Ah oui, alors. Mais que je suis au lobby, et not single player. Un passé, hit escape to ban the pause menu. The bottom left. 36 sessions, machin, ouais. Un mec sur boss humain. Coop. Bah oui, c'est oui. Also, blablabla, visiter, ami seulement, ouais. Étape 4. Faut être connecté à Steam et Epic, forcément. Le joueur utilisant Steam doit connecter à travers Epic son jeu. Comment ça marche ça? Ah, c'est pas super clair comme truc encore ça. En plus, c'est pas des trucs qui disent 1, 2, 3, en 1 faut faire ci, en 2 faut faire ci, etc. Et hop, c'est fini. On a fait comme la dernière fois. Alors, il y a peut-être pas grand chose encore à faire, mais. Je ne comprends pas. La logique, il n'y en a pas. X, F, C, quoi, genre, j'ai rien qui. Ah. Je ne comprends pas. Thank you.
Et dans Steam, t'as pas un truc pour le joindre, le connecter à Epic, non, je sais pas. Non, je me souviens de l'avoir fait, mais c'était pas dans Steam, c'était dans le jeu lui-même, Dying Light. Et c'est des trucs que je ne vois plus. Je sais pas où c'est, ça a disparu, je ne comprends pas. Même si j'avais le 2, ça aurait été pareil, hein. Ça aurait été un peu la même merde, je pense. Non, mais le pire, c'est qu'on est déjà parvenu, on a déjà fait faire un trio avec Dorota. Ouais, puis en plus, il y avait deux Steam et un Epic, donc... Mais oui, mais c'est, ça doit marcher, c'est juste qu'on sait plus comment c'est, ça se fait. Et moi, ça me gave, parce que c'est pas intuitif, c'est pas instinctif. Là encore, je gueule, mais il y a de quoi gueuler. C'est comme dire, tenez, aujourd'hui vous avez votre véhicule, mais on vous a soustrait les clignotants et le klaxon. Ça me fait la même frustration. Je dis, mais merde, j'avais l'interface, pourquoi vous me l'avez retiré? Pourquoi vous planquez les sous-menus? Laissez-les apparents, bordeloum, développeurs, là. Il faut qu'on note, hein, ou qu'on apprenne par cœur, c'est pour faire. Mais noter suffit pas. Je ressors là la réplique terrible, cinglante, qui est le bon sens. C'est ce qu'il y a de plus partagé au monde. C'est pour ça que plus personne n'en a vraiment. Voilà. Vous avez 4 heures pour réfléchir sur ce que je viens de dire, voyez. Non, mais c'est terrible. On est en vacances. C'est fini. Ouais. Non, mais c'est frustrant. C'est pas intuitif. Franchement, là, tu programmes un menu de jeu vidéo. Tu fais du jouer multijoueur. Et tu proposes plus d'options interconnectées avec les plateformes. Oh, ça c'est encore des histoires de fric et de programmes mal pensés, c'est nul. 100% frustration. Ah, oh, mon dieu, j'ai joué ça plus de 100 heures, ça fait peur. Oh, distance parcourue, j'ai symboliquement franchi les 500 bornes. J'ai fait 500 km dans le jeu, oh mon dieu. 500 km à pied, ça use. C'est ça. Oh la vache. J'ai utilisé 554 kits de soins. Valeur des objets récupérés, plus d'un demi-million de dollars. J'ai utilisé 1484 pièges. Voilà, temps de jeu en coopération, 6h46 minutes. Oh, c'était pas dans le... On devrait pas se prendre le chou pour ça. C'est pas normal. Je comprends pas. Je retrouve pas le menu d'avant. Je comprends pas. Et sinon, pas grand chose à faire. C'est le pire. Moi je suis en partie, donc je veux dire, je suis dans ma partie. J'avance, enfin je peux avancer, mais je vais pas avancer tout seul. Mais je vois toujours pas. Non, mais ça me rend fou. Ça me rend fou, vraiment.
On va programmer le truc. Pourquoi j'ai pas l'interface amis en ligne, toute plateforme confondue, sous le jeu là, je piche pas. Epic, t'es bien en clair, t'es bien déclaré en ligne. Bah je regarde. Non. J'espère que moi aussi, je crois, mais. Bah je suis en aussi ton bouton vert. Parce que je te vois dans le jeu, mais en Epic. C'est pas... Bah je sais pas, j'ai mes des hypothèses parce que je suis en perdition. Je comprends pas. Ouais. Pardon. J'ai pas d'idée. Désolé, hein, cher public, c'est une calamité là mon direct. C'est le direct de la frustration la plus absolue. Comment on avait fait? Il y a un mec qui met une... Service Techland en ligne, connecté. Pour lui, je suis connecté, mais je vois pas les copains pour rejoindre le jeu. Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Dans options, je vais regarder les commandes. Est-ce que je vais retrouver une commande clavier option multijoueur, je sais pas. Mouvement, action, inventaire, sélection rapide, autre. Briefing, suivre quête menu joueur. Menu compétences, journal des quêtes, menu carte inventaire, non c'est pas ça. Ah cop. Apparaître en attente B. Chute à vote d'expulsion de cas. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Rejoins partie favorite J. Je comprends pas. Non. Bon, sans offense, une scène. Là, je t'avoue ma frustration. Je me vois faire un relais de chaîne à Bastos et aller me pioter parce que. C'est pas contre toi, hein, mais c'est ça m'agace. Ça me tue. Ah, il y a peut-être pas grand-chose, mais faut... Je sais pas aussi pour qui est ce truc-là, hein. C'est bizarre. Je regarde dans l'interface Steam. Est-ce que tu fais un bouton droit sur le titre du jeu? Je sais pas, non? Bouton droit sur le titre du jeu... Ah, attends, contact. Non, mais je reviens là, dans contact. Et t'avais fait comment la dernière fois pour lire ton compte Steam et Epic? J'en sais plus, quoi. Bah j'avais une interface qui n'est plus présente aujourd'hui. J'avais un encadré ma droite où je voyais ton retard, je te voyais toi. Et j'arrive pas à provoquer cette interface, elle a disparu. C'est pour ça que je me plains du tableau de bord sans clignotant et klaxon. C'est quand tu fais échappe, quand tu es en partie. Lancer un chat vocal, un message en profil changé. lance une partie à toi pour voir. Bon allez, je vais lancer une partie à moi. Et fais une pause. Ouais. Ouais, on va regarder.
c'est franchement. Tant pis, faut que je sors du raid de l'enfer, faut que je revienne dans la partie normale. Là. Hey, le raid, oula, ça doit être loin ça. Non, mais c'est un contenu additionnel à la Diablo. Ah. D'ailleurs, attends, c'est pas là, c'est là qu'il faut que je clique. Du coup, il va y avoir deux chargements avant que je puisse aller dans le menu. Troy connaissait le musée dont Rice parlait. Donc là, si tu fais échappe, du coup, là. Rice en avait fait son plus gros avant-poste dans le secteur 0. Je dois y aller avant que Jade soit blessée. Ou tuée. Alors, échappe. Ah, là, je te vois. Alors, invité à la partie. Non, mais non, je vais rejoindre la tienne. Pas. Bah oui, alors pourquoi toi tu peux pas faire comme moi? Et si tu fais joint à la mienne? Mais je peux pas. Je peux soit t'inviter, ah, soit voir ton profil. Et toi, tu as le menu comme moi quand tu fais échappe dans ta partie? Presque. Alors c'est quoi presque? C'est quoi les 7 erreurs? Oui, j'ai pareil, mais sauf que non, tu aurais dû avoir mon pseudo avec Epic. Avec l'icône Epic et pas l'icône Steam. Parce que l'icône change en fonction de la plateforme. Ah, là je te vois. Bouge plus. Je t'ai invité là. Oh le bordel. Je viens de comprendre ce qui s'est passé. C'est codé avec le cul. Faut que je te réinvite. Non. Attends, oui, ça a bugué. Attendez. C'est très codé avec beaucoup de cul. C'est n'importe quoi. On n'est pas loin. Non. Là, il me propose ma carrière, pas la tienne. Ah bah je... Se connecter à la partie. Non, ça va pas. C'est n'importe quoi. Là, réinvite-moi, s'il te plaît, dans ta partie. Ouais. Voilà. Oui, bah j'ai pas d'invite. Putain, mais c'est pas vrai. Attends, il faut que je charge d'abord ma partie à moi pour que je puisse recevoir ton invitation. Pourquoi ça peut pas se faire depuis le menu? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, c'est même contradictoire. Ouais, je sais, hein, mais c'est pas moi qui fais le jeu, hein. Oui, c'est... Oui, non, mais... Je dédaigne à croire que t'aurais été concepteur, t'aurais été plus sensé qu'eux, hein. Ouais, par contre, tu vois déjà le menu multijoueur de Team Fortress, hein. C'est pire, hein. Pour faire des trucs privés, c'est compliqué, hein. Faites les choses de manière intuitive. Oh. Et là, je suis invité, c'est ça, non? Attends, mon feu vert, s'il te plaît. Besoin de nouveau matos. Et vas-y. Du coup, moi, quand je fais échappe, je vais mettre ton pseudo DigiPsycho qui est passé avec une icône Steam. Invite tant que tu... Même avec le chapeau de Père Noël, si tu me vois, tant mieux. Essaye de m'inviter et basta. Écoute, je cherche même plus à comprendre à ce niveau. C'est tellement débile. C'est d'une absence de souplesse et de logique, mais alors flagrante. Vous avez reçu l'invitation de Tunsen, oui. Alors attends, faut que j'aille dans échappe pour te voir. Et pouvoir dire accepter. Ah! Miracle! Alléluia! Mais pourquoi je vois le musée? Bon, je... Troy connaissait le musée dont Rice parlait. C'était une forteresse au départ et... Alors, attends, si je te rejoins dans ta partie, je vais... Ah putain, t'es là.
Zéro de logique. Zéro pointé absolu de logique dans la gestion du multijoueur. Là, j'avais l'impression de confirmer. Oui, non, mais t'es là, merci, on va jouer ensemble enfin. je vais couper l'enregistrement pour YouTube parce qu'il est hors de question que je diffuse ça. C'est à se tirer une balle. Franchement, c'est nullissime, j'ai jamais vu ça. C'est là encore, j'ai dû reconfirmer comme quoi je voulais jouer avec toi. Mais j'avais franchement le sentiment que je voulais confirmer que je voulais jouer seul dans mon coin en solo et reprendre ma carrière, pas la tienne. C'est super mal foutu.